Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps tout couvert, une température toute douce à 16 degrés, une température de l'eau qui est montée à 18 degrés, une marée qui est en train de finir de descendre. Le plein bas est à 8 heures avec des coefficients de 42. Sur cette fin du descendant, le vent est on shore avec un secteur ouest-nord-ouest. Il y a un beau fort établi, plan doridé, un peu clapoteux. Les phases de vagues sont assez lisses et puis on a une houle qui est longue avec 11 secondes de période, orientée ouest, un tout petit peu ouest-sud-ouest, multipique et agitée qui s'est développée à la hausse, un peu plus petite que prévu, puisqu'il y a un déferlement régulier à 50-80 cm et sur les séries il y a 1 mètre à 1 mètre 20. Voilà, bien empi, bien agité, mais il y a quand même des bouts qui passent sur les meilleures bandes de sable de marée basse où les vagues arrivent à casser un peu au large et ça déroule un petit peu en sectionnant, en enchaînant les pics, mais il y a quand même quelques ouvertures. Alors que les vagues au bord sont plutôt fermantes. Il n'y a personne à l'eau ce matin, l'évolution pour le reste de la journée en train de houle à l'aller en légère hausse à la mi-journée qui devrait s'amplifier un peu plus cet après-midi avec du vent onshore qui va se renforcer. La boue Arcachon est à la hausse. Elle est passée de 1,87 m à minuit à 1,90 m actuellement. À 9h, nous attendons 1,20 m. Houle ouest à ouest-sud-ouest en seconde de période, plutôt vent d'ouest, avoir un beau fort. À 13h, 1m30, ou d'ouest à ouest-sud-ouest, en seconde période, vent d'ouest à 1 de Beaufort, et à 17h, 1m20, 1m50, ou d'ouest à ouest-sud-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-ouest de 3 Beaufort. Tout cela sera bien sûr confirmé au bulletin de 7h45, où les prévisions seront réactualisées. Allez, à tout à l'heure.